Salut les crapauds! Alors, nous voici encore sur le jeu The Front. Là, le village a bien augmenté. Donc, je suis en compagnie de. Hop, mes amis. Oula, qui est armé jusqu'aux dents. Salut toi, l'ami. Ça va? Et je vais faire un petit tour du village. Tu peux me faire les lapins en attendant? Ouais. Donc, là, on a notre petite. Notre petite cabane de réunion. Hein? Alors, apparemment, cette chaise devrait être la mienne, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas pourquoi. Alors après, bon, Oh! Hop, là, on est chez Patouf, des grilles à l'entrée, on va peut-être pas y aller. Donc voilà, on a créé un village assez sympatoche. L'avantage du PVE, quand même, parce que nous, on est vraiment en mode PVE. Alors, je vais faire un tour vite fait, hein, parce que là, je me propose de recruter un PNJ. Oh, la baraque qu'il a fait là-haut. C'est toi? La non, baraque là-haut. C'est Beretta. C'est Beretta. Ouais. On dit Jiu. Oh là avoir... là. Il devait avoir ah, un ouais. peu de temps. Ouais. Oh là là, magnifique. Parce que là, j'ai... Ah ouais, d'accord. Oui. Bon, on verra ça dans un second temps. Vous voyez, petite équipe sympatoche. Tiens. Et je vais aller de suite attaquer un PNJ pour le recruter. Alors j'ai prévu 30 brouilleurs, je pourrais en créer d'autres. Et de la viande rôtie, là j'en ai 87 sur moi. Et mon collègue Mazami essaye de m'en faire cuire d'autres. Pour ne pas être pris au dépourvu. Donc là c'est notre petit coin, voilà. Notre petit village. Alors on a d'autres joueurs qui sont pas loin. Il y en a un là-haut, il y en a un derrière la montagne. Voilà, le serveur commence à bien être peuplé de gens sympathiques. Alors ce que je vais faire, je vais commencer à attaquer le PNJ. Tiens, il y en a un là-bas. On va prendre juste n'importe quoi, n'importe qui. Hop. Pour que... Allez. Ah, j'ai des flèches et tout. Allez, attends, avant qu'il... Bon, je le rate en plus. Il va tourner. Il a tourné. À moins qu'il... Ah, il y a celui-là qui est plus costaud, là. Il est où? Il est où, le bougre? Il est dans la maison? Non, ça va. Allez. Bah, si je vais là, il va peut-être m'attaquer direct. Ça serait pas mal. C'est mon but, en fait, qui m'attaque. À moins qu'il m'a pas vu. Il est dans la maison. Attaque-moi. Voilà. Il m'attaque. Très bien. Donc en fait, voilà. Ce qu'il faut, c'est commencer à le dégommer. Jusqu'à. Boum, en pleine tête. Jusqu'à ce qu'on voit. Voilà, ça. Les au-dessus. Donc là, je vais lui lancer. J'espère que ça va marcher. Le cercle, il est là. Raté. Réussi. Donc voilà. Je lui lance les brouilleurs. Ensuite, ce qui est important, c'est lui donner la nourriture. Alors la nourriture, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les tartes de mamie, la viande rôtie ou les baies sauvages. Donc moi, je vais lui foutre tout ce que je peux en viande. Donc là, on voit bien que le chaos... va diminuer et l'obéissance va augmenter. Alors maintenant, à la viande. Buck, si tu peux m'aider à faire de la viande au cas où. T'es là dans le coin, Buck? Je suis à la base, ouais. Peut-être faire du lapin. Ouais, dans mon feu, il y en a combien? Ah bon, il y en a, c'est bon, merci. Merci, mes amis. Avec plaisir. J'en ai d'autres au besoin. Ouais, à la rigueur, si tu peux entretenir mon feu. Ouais, je fais ça. Je ne sais pas combien de viande il faut, hein. Bon, je sais qu'il en faut. 40 de plus sur moi. Ah, c'est très sympa. Donc là, je retourne voir mon bougre. Voilà, on voit que le chaos diminue, l'obéissance augmente. Bon, apparemment, au niveau viande, on est bon. Là, j'en ai 142, je lui ai en donné 142 viandes. Bon, après ça...
Donc j'espère que ça devrait aller. Alors j'ai pris un PNJ basique, hein, vraiment sans armes niveau 16, vraiment le truc le plus bidon possible, afin de le recruter assez rapidement. Parce qu'il faut savoir que à partir du moment où vous prenez des PNJ beaucoup plus costauds, eh ben, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Je suis déjà à 7% là. Ça va le faire. Ça va le faire. Et au niveau de la viande, ça va. Je pense que ça va aller au niveau de la viande. Hein. Mmh. Ouais. T'as vu la baraque qu'il a fait, Patouf? Buck? Non, non, j'ai pas vu. Attends, moi je coupe le micro parce que les gosses ils sont pas coupés, ils sont pas couchés. D'accord, pas de problème. Alors on a le chasse. Bah, tu chasses avec quoi? Avec le fusil mitrailleur? Une MP5. C'est que tu peux le faire à la lance. Hein. Ouais, mais j'aime pas leur courir après. Oh, c'est pas cher en munitions, c'est bon. Alors, on en est où là? 11%. Ouais, bah ça va le faire là. 11% et ouais. Là, c'est bon là. Là, ça va le faire. À la rigueur, je pourrais même faire le deuxième dans la foulée. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, il y a de la viande, on peut. Ah ouais, mais je sais pas si j'aurai assez de brouilleurs. Mmh. Ah, j'ai peur. Parce que là, on en est où? Ouais, tu vois, le chaos là, il a diminué pas tout à fait de moitié, mais on n'est pas loin là. Donc j'ai 11% et le chaos a diminué de moitié. Alors à savoir que quand je vais relancer un brouilleur, le chaos va se remettre à 1500. Par contre, effectivement, là, c'est un petit PNJ, hein, un petit esclave tout en haillons. Donc, vraiment, le inventaire 2 sur 17, je ne sais même pas ce qu'il a. Ah bah si, 2 sur 17, c'est mes viandes. C'est mes viandes. Donc, l'obéissance continue de monter. Donc, il continue de se nourrir. En fait, c'est le principe de Ark, mais un peu différemment, parce que le chaos, c'est les baignoires. Et bah, la nourriture, c'est la nourriture. Hein. Toujours pareil. Toujours pareil. Faut les nourrir. Sauf que lui, il aime bien la tarte à mamie, là. La tarte aux fruits. Mais la tarte aux fruits, bah, moi, je ne peux pas la faire encore. Je sais pas si vous pouvez. Mais moi, je ne peux pas. Non, elle est level 26, la tarte aux fruits. D'accord. Donc là, il y a celui-là là, que j'aurais bien aimé tamer, mais du moins recruter, pour parler en mode The Front. Mais là, j'ai pas envie de faire les deux, parce que je vais voir combien de brouilleurs il va me piquer, lui. Donc je suis à 18%, oh, 18%, donc 20, allez, 20% bientôt un brouilleur, j'en ai encore 28. Allez, je vais lancer l'autre. Je suis fou. Je vais lancer l'autre. Par contre, j'aurais besoin d'un peu de viande. Si tu en as encore. Mais je vais. Il est où? Il est où? Il est là-bas. Ah ouais, mais non. Je peux pas là. Autant faire les deux. Hein. Autant faire les deux. Allez, viens là. Viens là, petit bonhomme. Il est où? Ah! Il me court après. Il m'a fait flipper ce bougre. Non, hop, je crois là. Ah là, hop, tout de suite. Hop! Allez. Allez, c'est bon, un brouilleur, vite. Allez, je recule un peu. Yes. Il me faut de la viande. Attends, je vais prendre un peu de la viande de l'autre. Allez, viens là, toi. Donne-moi ta viande. Voilà, hop. Allez. On va mettre la viande à lui. Allez, mange la viande. Voilà. Bon, bah, j'aurais fait les deux. Non, j'aurais fait les deux. Je ne sais pas si j'aurais fait les deux. Alors, lui, il en est où, lui? Ah, le chaos. Ouh, le chaos. Le chaos, il est à 300. Bon, lui, il a 94. Donc, je vais attendre à 100 pour refaire un. Pour remettre un brouilleur. Parce que. Lui, il est à 200.
Lui, il va peut-être mettre plus. Ah, si, 3%. Donc la viande, c'est bon. Alors, on en est où là? 200. Bon, j'ai 26% d'obéissance. Donc ça commence à être pas mal. Et là, on va essayer. Je vais relancer un KO parce que. Voilà! Je relance un KO. Comme ça, je suis peinard. Je peux m'occuper de l'autre. On va aller voir si j'ai un peu de viande qui cuit. Et par la même occasion, je vais manger un poisson. Alors n'essayez pas de leur donner du poisson, ils aiment pas ça. Hop, merci pour la viande. Tiens, hop, on prend les poissons aussi par la même occasion. Donc les poissons, vous les mangez vous. Et eux, ils aiment bien les brochettes. Donc lui, on va lui donner des brochettes. Hop, 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 voilà. Donc ça, c'est bon. Donc au niveau des brouilleurs, c'est largement bon, hein, largement bon. Donc 33%. Lui, il a largement assez de nourriture. Donc c'est celui-ci que je dois voir quand même. Donc ça va. Ça monte doucement. Allez, on va boire un coup. Et un poisson. Donc après, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. 11%. Alors 93, c'est quoi les 93? Résonance. Bah, je ne sais pas du tout ce que c'est la résonance en fait. Oui, capacité, talent, je ne sais pas. La vie, bon, on verra après. Hein. On verra après. Et nourriture préférée, la tarte à mamie. Donc ça, c'est bon. Donc là, je suis à 1100. Et en fait, je sais absolument pas pourquoi je les recrute. Hein, mais bon. Et là, je suis à 800. Donc, là, ça va être bon. Bon, au niveau des viandes, ça va le faire. On ramasse en attendant. Hein. Rien à faire d'autre. Pour 37%, on attend. Donc à la rigueur, ce qu'il faut prévoir, c'est peut-être un feu de camp à côté d'un spot où il y a des animaux pour pouvoir les nourrir confortablement. Bon, à la différence de Ark, où ça prend un temps fou et il peut y avoir des prédateurs, là apparemment il n'y a pas de prédateurs, ce qui est quand même assez sympatoche. Alors j'ai mes deux là qui sont en train de prier. Allez. Celui-là le premier qui est bon. 600. 600, 600. On va commencer à y réfléchir. Et lui, 800. 800, je suis à 41% d'obéissance. Donc, et 4 ans, ouais. Ils ont besoin quoi d'une, même pas une cinquantaine de viande. Hein. Apparemment. Bah heureusement d'ailleurs, parce que la viande se détruit quand même assez rapidement. Hein. Alors ça dépend, quand on est en stack, là, elle se détruit en 29 minutes dans leur chez eux. Donc ça va. Pense que dans notre inventaire, elle se détruit beaucoup plus rapidement. Allez, 600. Allez. Donc là, je vais faire juste un petit tuto là-dessus. Hein. Voilà, 400. J'arrêterai la vidéo ensuite. Hop. On ramasse en attendant. Hein.
Alors vous entendez pas beaucoup de monde parce qu'ils sont tous partis manger ces bougres. Ah, c'est quoi ce camion? Ah d'accord. Mes amis. Apparemment, il y a deux places, c'est ça? Je vois un sur deux. Ouais, tu peux monter côté passager. Ah ouais, sympa. Et après, sur ce modèle-là, tu as une capacité de 30 slots de stockage à l'arrière. Ah ouais. Et c'est pas toi qui voulais faire un tank aussi? Si, si, Non? si. Et alors, t'en es où? 400. Ça coûte cher? Ah oui. Et là, 200. Allez, je vais lui balancer un truc à lui. Voilà, on est reparti pour 1500. Et lui, on va attendre un peu. Quand c'est aux alentours des 200. Parce que, évidemment, quand vous arrivez à 0 de KO, il se réveille. Il se relève. Et donc, alors je ne sais pas si l'obéissance est restaurée ou si ça revient à zéro. Donc en fait, vraiment, il ne faut pas du tout, du tout, du tout arriver à zéro de KO. Parce que ça, dans mes premiers tests, je n'avais pas pris assez de brouilleur. Alors le brouilleur, effectivement, on le construit pop, 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 là, dans le tech, sur soi, sur soi. Donc j'avais pas construit assez de brouillère. Les résultats des courses. Le recrutement s'est très mal terminé par la mort de l'individu suscité. Donc là on est bon, on lui 30%. Allez, allez. Ah, on a dépassé les... Oh, il faut que je jette un truc lui. Voilà, on a dépassé les 50% sur le premier. Il faut vraiment faire attention au brouilleur. Donc le brouilleur, je sais pas, une dizaine peut-être par dizaine, vingtaine, je sais pas. Moi j'avais prévu large puisque justement je m'étais fait avoir lors de mon premier test. Que là c'est vraiment un test, on dirait en réel quoi. C'est la première fois que je recrute. Non pas un mais deux PNJ. Alors un sans sabri à la hache. D'ailleurs je vais voir le. Qu'est-ce qu'il a lui? PV 424. Plénitude. La plénitude des sangs. C'est quoi la plénitude? Je ne sais pas. Donc PV 424. 424 et la plénitude des sangs. La plénitude, je ne sais pas. Bon. Et lui, il doit avoir moins de PV, j'imagine. Ah si, PV 446, c'est marrant. Et la plénitude descend aussi. Donc on est à 100, hop, on tourne, 63% d'obéissance. Continuons dans le bon sens. Oui, 37%, 41% même. Donc là, on va bien y arriver. J'ai même pas fait attention au niveau de la viande. Oh wow. On est à 50, ça va largement. Au niveau de la viande, c'est parce que comme il y a quand même un déquet assez important pour la viande. Ah, 80 et quelques. Je lui en avais mis une centaine à lui. Quand même. Quand même, quand même, quand même. Top, top, top. Après, bon, il faudra voir les stats, hein, mais on verra après. Là, c'est vraiment un test de recrutage de PNJ. C'est celui-là qu'il faut que je suive. 700, ouais, c'est celui-ci. Ben, je vais aller fouiller leur baraque en attendant, puisqu'il n'y en a plus. Ils sont plus là. Peut-être que. Alors j'espère que c'est pas vide. Normalement non, puisqu'ils ont réapparu. Bon, c'est toujours plus ou moins pareil ici, hein. Fondation en pierre. Bon, je prends. Je prends, on verra pour changer après.
Si je dois changer mes fondations. Étant donné qu'on est en PVE, c'est pas gênant. On verra quand on va mettre les hordes en fait. Donc là, on va prendre celle-là aussi. En attendant, toujours ouais, pareil, hein. Plancher, fondation. On prend. Et je crois qu'il y en a une en là-dedans encore, il me semble. Oui, là. Ah, tiens, un peu. Ah, voilà, ça c'est bien. Éclat des terres, toujours bien à prendre. Et quelques nourritures. Je vais retourner voir mes copains PNJ. Hop, alors lui, il en est à combien là? 700. Tiens, un lapin chef. Et lui, 400. Donc là, on va attendre un peu. Et au niveau, il est à 48%. Lui, il doit pas être loin de finir, lui. Il doit pas être loin de finir. 75%. Ah, ça devient bon. Ça devient bon. Au niveau de la nourriture, c'est bon. On va boire un coup. Voilà, comme ça. Impeccable. Allez, reste accroupi, toi. Hein? Je vais attendre à peu près 200 pour pas trop utiliser les brouilleurs, parce qu'à un moment donné, ça consomme quand même, hein? Oui, 500, donc ouais, il va falloir que je fasse attention de ne pas perdre le chaos. Ouais, celui-là, ça va bientôt le faire. Ouais, parce que ça m'embêterait de perdre le chaos. Allez, voilà, on retourne à 500, du moins 1500, pardon. Et celui-ci, normalement, je crois que c'est le dernier brouilleur, hein. Ah, je vais attendre. Je vais attendre. Bon, l'autre, je sais que je l'ai rempli son chaos. Là, normalement, celui-ci, je pense que c'est le dernier brouilleur. Je pense, donc je suis. Allez. On va attendre aux alentours des 200. Donc, montre en main, je ne sais plus combien de temps ça a pris. Quelle heure il est? Ouais, ça. Un bon quart d'heure, là, quand même, non? Ouais. N'avait pas mis le chronomètre, donc on va attendre. Bon, graphiquement, c'est pas encore super super, mais il y a de quoi faire quand même. Hein? On va essayer. Voilà, petit coucher de soleil. Alors, celui-ci. Je pense qu'on va pouvoir lui renvoyer un brouilleur aux alentours de 200 pour assurer le coup. Et là, on est à 86% normalement. Il l'a bien pris. 1500, je vérifie. Ouais. Donc celui-ci, normalement, c'est terminé. Voilà. Et là, mon ami, là, t'en es où? Ouais, ça va bientôt être fini. Voilà. On va peut-être faire une petite. Voilà, une petite photo. Voilà. Pour mettre ça par la suite. Donc lui, j'ai le temps. C'est lui qui va être terminé en premier. Par contre, je ne sais pas s'il va être pour la guilde ou que pour moi. Ce serait pas mal qu'il soit pour la guilde. Ah, lui, ça va être bon. 90%. Et au niveau de la viande, ouais, quand même, hein, il en a pris quarantaine à peu près. Donc prévoyez quand même pas mal de viande rôtie, hein. Parce que ça mange ces bestiaux.
90. Allez, on reprend l'autre côté. Donc celui-ci, il sera fait ensuite. Propriétaire qui tord. Non, apparemment, propriétaire qui tord. Donc je pense que ce ne sera pas pour la guilde. Malheureusement. Ça, c'est un peu bébête. Allez, 93. Tu vas m'obéir? Tiens, je me baisse. Tu vas m'obéir ou bien quoi? Alors, je sais pas ce qu'il fait. Il fait des prières, là, des mantras. Pas du tout, du tout. Lui aussi? Ouais. Là, pareil. Donc, lui, il sera fait bien. Oh, par contre. La résonance elle baisse aussi. Hein. Il y en a chez Sertois. Vous pouvez parler, hein, n'hésitez pas. Alors. Ah, 97% d'encore. Allez. Allez, vas-y. Ouais, 75 viandes. On est peinard. Et là, au niveau du chaos, on est peinard aussi. Ah, voilà, Buck. Bah, celui-là, il est. Ah, bah, ça y est. Ouais, Celui-ci est fait. Alors, ouais, je sais pas. Il est 29. Pourquoi 29? propriétaire qui tord, niveau 16. Alors pourquoi 29? Où ça, 29? Soumettre, inventaire, soumettre. Voilà, je l'ai soumis. L'inventaire doit être vidé, inventaire. Bon, là il a de la viande. Bon, bah lui, je l'ai soumis. Après, ce qu'on en fait, hein, on verra. Donc, je sais pas ce qu'il fait. T'étais beau avec ta caisse à savon sur la tête, toi. Moi ouais, j'aime bien, moi je la garde. À lui maintenant. Ouais, te suis, ouais. Ah, monsieur. Oh, le chaos, le chaos, le chaos. Allez, un coup de chaos sur la tête à lui. Allez. Boum. Voilà. Donc, au niveau chaos, il en faut ouais, un peu moins d'une dizaine. Mais par contre, alors tu me suis, toi. Ouais, mais je sais pas ce que je vais faire de toi, mon gars. Tu me Mais suis? dans une mine Ouais, manuelle sur là? la foreuse, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. viens. Viens avec moi. Tu me suis? Ah ouais, viens avec moi. Viens avec moi. C'est qu'un buggy. Allez. Viens avec moi. Et là, non. Alors, comment on fait là? Inventaire, photo tactique, afficher les attributs, quoi. Alors là, et si je fais ça? Non, c'est moi qui. C'est moi? C'est moi qui le fais, c'est pas lui. Alors lui, je sais pas ce qu'il veut, lui. Ah, je sais Alors. pas si tu peux en mettre un dessus. Pourquoi? Je peux pas? Parce que tu peux pas peut-être pas mettre d'asservi. Sur la forge, par contre, tu peux peut-être. Attends, l'autre je vais pas le louper. Ouais. Là, ici, barre des suiveurs. Là, tu peux mettre un suiveur dessus, là. Ah oui. Fais voir. Alors, où tu vois barre des suiveurs. Activate follower. Ouais, tu peux, ouais, activer de follower. Il est où? Bah que dalle. Hein. Veux pas. Stop follower. Et si tu fais juste F dessus? Juste pour Voilà. le. Juste tu ouvres le. Attends. Ouais, te suivre. Ouais. Barre des suiveurs. Ah oui, il faut peut-être que je le mette dans ma. Dans mon inventaire. Ouais.
Attends, je vais exterminer celui-ci là. Vite fait. Oui, il a 90%. Alors, je vais. Alors, il faut lui enlever son inventaire à lui, apparemment. Bon, il a de la viande. Apparemment, il a besoin de la viande. Et est-ce qu'il faut que je le mette dans mon inventaire? L'inventaire de l'adepte doit être vidé. Mais apparemment, je peux pas vider. Parce que Pas t'as plus de vider. place. Non, je peux pas. Son inventaire. Ah oui, j'ai plus de place en plus, t'as raison. Ouais, t'as raison. J'avais plus de place. Donc c'est Il te faut une place effectivement. de plus du coup si tu te mets dans ton inventaire aussi. Oui, j'ai une place de plus. J'en ai une. Je vais voir. Effectivement, j'ai tellement de bêtises. Ah, mais attends, j'ai plein de pierres là. Je vais les mettre dans mon drapeau en attendant. J'ai une tripotée de pierres là que j'avais fait. Hop. On verra si du bois aussi. Voilà. Je remplis, c'est pas si ça. Allez, viens à toi. Rappeler un adepte à la donne. Viens là. Voilà. Donc là, je l'ai dans mon inventaire. Normalement, oui. Je l'ai dans mon inventaire. Donc là. Là, je mets là et là je mets mon bonhomme là-dedans. Voilà. Bon bah apparemment il est dedans. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Mais il y est. Donc le apparemment oui c'est peut-être pour améliorer la vitesse ou les trucs comme ça je pense. Il faut l'alimenter aussi, il faut lui donner à bouffer. Ouais, t'as raison. Tiens, allez. Voilà. Après, ce qu'il fait, je ne sais pas. Tiens, l'autre, il est prêt aussi. Une fois qu'il est. On a 29 minutes là. Donc, soumettre. On peut le mettre dans la. Voilà. Donc lui, il a de la vie. En fait, je pense que tu peux le prendre et il va attaquer avec toi pour l'instant. Je crois que c'est ça, hein. On dirait, ouais, ça marche vraiment comme arc, pas mal. Ouais. Donc là, il est niveau 1. Il faudrait que j'attaque, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Que je le mette en suivi. Qu'en fait, il faut vraiment que. Oui. Il faut que dans la barre d'inventaire, il y ait une possibilité de mettre un. C'est dommage qu'on peut pas mettre dans le mineur. C'est pas cool ça. Après, ça doit être comme à la Conan, c'est pour simplifier les crafts Ouais, ça ouais. réduit Ou les peut-être le accélérer, à mon coût. avis. Ouais. Ouais. Je vais voir si est-ce qu'il. Ouais, je peux le mettre dans le Dans tous les four. ateliers, ouais. Dans les ateliers, ouais, dans les ateliers, je peux le mettre. Ok. Voilà, il Ah, dans le dehors. fourneau aussi, tu peux en Ouais, mettre dans le tout. fourneau, ouais. Tiens, bah, je vais arrêter le feu, là, c'est pas la peine de. Bonjour tout le monde. Heureux. Heureux! Ouais. Donc, bah, j'ai réussi à recruter deux PNJ. Ah, ça c'est bien. Alors après, savoir ce qu'on doit en faire, c'est une autre histoire. Eh, faut les faire bosser là maintenant. Oui, mais en fait, je peux les mettre dans les ateliers. Ah, bah c'est bien ça. Mais ça, ouais, mais savoir ce qu'ils vont faire, je ne sais pas. Ils peuvent réparer aussi les murs ou les trucs comme ça, non? Bah apparemment, non. Ah bon? Apparemment, non, je sais pas. On peut, puisque en fait, il faut voir ce qu'on dans les différentes, il faut qu'il y ait une case pour pouvoir les mettre. Par exemple, dans l'outil qui permet de miner, on peut pas le mettre. Ah. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Alors lui, il est derrière moi, il est content. Moi, je vais par la base, parce que la nouveau perdu.
Sur ce, les amis, moi, je vous laisse sur cette vidéo. Donc, la vidéo, c'était comment tamer, comment recruter un PNJ. Donc, vous avez toutes les méthodes, toute la méthode pour le faire. Après, savoir ce qu'on en fait, ce serait dans une nouvelle vidéo. Voilà, je vous laisse pour ce soir et je vous dis au revoir. Ben, bonne soirée, Kitom. Non, Au c'était revoir. juste.